C'est une visite d'amitié que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a rendue ce lundi en début d'après-midi au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Une retrouvaille qui traduit d'excellents rapports entre les deux personnalités. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai revu le président Denis Sassou Nguesso. Vous savez que ma relation avec le président est au-delà des postures institutionnelles ou diplomatiques. J'ai des relations privilégiées avec le président Sassou. Je dois signaler que cela fait quasiment 2-3 ans que je n'étais plus revenu à Brazzaville. J'ai expliqué au président qu'entre-temps, je m'étais inscrit pour faire des cours. Et naturellement, l'audience m'a permis, de lui faire le point de la situation depuis les 3 ans d'absence. La paix en Afrique et la situation politique en Côte d'Ivoire ont également marqué l'entretien entre Denis Sassou Nguesso et Guillaume Soro. Je lui ai donné la situation politique en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que les choses se passaient très bien et que les acteurs politiques en Côte d'Ivoire étaient en train de s'organiser pour que la paix si chèrement acquise soit maintenue. Vous savez très bien que pour un président d'expérience comme le président Denis Sassou Nguesso, naturellement, ses conseils ont été de dire qu'il faut que l'Afrique en général travaille à la paix, parce qu'il me l'a dit, répété, que sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Et en particulier, il a conseillé qu'en Côte d'Ivoire, qui était une sorte de locomotive pour la sous-région ouest-africaine, il était très important que nous maintenions la paix dans notre pays. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire s'est exprimé sur la situation de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, actuellement en procès à La Haye. En ce qui concerne la situation du président Gbagbo à La Haye, vous savez très bien que nous sommes dans un processus de réconciliation. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, nous souhaitons que les choses s'apaisent. Et si M. Gbagbo est un élément de cet apaisement, nous souhaitons que les choses se passent bien pour lui à la CPI. Et qu'un jour, il puisse retrouver la liberté et vivre tranquillement dans son pays. Notons que la Côte d'Ivoire est dans un processus électoral, notamment la préparation de l'élection présidentielle prévue en 2020.